Yep, pas tout le monde. Alors aujourd'hui, j'ai eu envie de vous dire, voilà, souvent en fait, quand je discute avec des personnes ou des ados et des jeunes, on va dire que souvent, ils m'expriment le fait qu'ils ne soient pas fiers de leur région et qu'ils ont envie de partir voir d'autres horizons. Mais moi, j'ai envie de vous dire justement, allez voir d'autres horizons, ouvrez-vous l'esprit, mais restez fiers de vos régions, parce qu'en fait, vous allez être les futures générations qui allez représenter vos régions, et notamment, vous allez les dynamiser. Aujourd'hui, il y a un gros pourparler entre est-ce qu'il faut vivre en ville, est-ce qu'il faut vivre en campagne. Et moi, je pense qu'il faut garder un équilibre. C'est important de conserver un bon équilibre, parce que déjà, si un jour il arrive quelque chose et que c'est un peu le chaos, et il vaut bien mieux habiter en campagne qu'en ville, parce qu'en campagne on a la possibilité d'être beaucoup plus autonome. Vous pouvez avoir votre petite plantation et voilà, donc vous survivrez beaucoup plus en cas de crise. Voilà, mais ce que je veux dire également, c'est que soyez fiers de vos régions, parce que il y a beaucoup de choses qui se développent dans les campagnes notamment, et puis dans plein de régions, et quelque part vous êtes le représentant de vos régions, et c'est à travers votre image et à travers ce que vous allez entreprendre autour du développement de vos régions, et ça, vous allez pouvoir en récolter les fruits et faire profiter tout le monde. Donc si chacun est fier de sa région dans son petit coin, moi je dis tant mieux. Souvent on dit vous êtes un peu chauvin, c'est les personnes qui parlent toujours de leur région. Et moi je dis tant mieux au chauvinisme quelque part, parce que être trop chauvin, c'est un risque quand même, c'est pas bien, mais faut trouver le moyen de gamme et être capable en fait de valoriser sa région auprès de tous. Parce que les produits locaux, ils ont beaucoup d'importance. Et en France, on a beaucoup de produits locaux et on a un savoir-faire qui est tout simplement superbe. Et ce savoir-faire, en fait, il est souvent artisanal et traditionnel. Et ça se retrouve justement encore dans les campagnes, nos régions rurales. Donc moi, je vous invite justement à rester fiers de vos régions, même si elles sont traditionnelles. On va vers un futur qui innove beaucoup, mais il faut garder aussi un pied dans les valeurs traditionnelles. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt et soutenez vos régions, vous les jeunes, parce qu'on compte sur vous. Yépa, à bientôt !